Zombie Apocalypse. Donc voilà à quoi ressemble l'illustration finale. Je l'ai fait en encre de Chine rouge. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les produits en description. Hein. Puisque c'était un dessin quand même assez gore, on va dire. Donc je me suis dit que le rouge, le sang, voilà, ça allait bien ensemble. J'ai fait tout un tas de hachures dans tous les sens qui se croisent, etc. pour essayer de donner un petit peu plus de texture et de 3 dimensions au dessin. Mais je pense que c'est toujours pas assez. Et donc voilà, dites-moi en commentaire si ça fonctionne au moins pour vous, ça serait déjà pas mal. Ensuite, vous redire quelque chose à propos de cette plume, puisque j'ai déjà fait du coup quelques illustrations avec ça, et vous redire ce que j'en pense, c'est en fait absolument génial. C'est un investissement de dingue, et moi qui n'ai pas forcément beaucoup dessiné à la plume déjà, c'est vraiment super plaisant, c'est comme un stylo à encre fluide, vous voyez, sauf que du coup, bah, on a une encre de bien meilleure qualité, mais l'avantage par rapport au stylo à encre fluide, c'est que le stylo, bien évidemment, il va falloir le recharger, pour ceux qui se rechargent, ou alors en racheter un. Donc, au final, pour toute une vie, le meilleur investissement, c'est la plume de verre. Attention à ne pas la casser, par contre. Et l'avantage que je dirais par rapport aux plumes normales, c'est le temps de recharge. C'est-à-dire qu'on va recharger dans l'encrier vraiment, vraiment moins souvent. Et ça fait moins souvent des pâtés, des gouttes, etc. Il y a une goutte qu'on essore, et puis après, c'est nickel. La réserve est vraiment bien fourni. Donc pour conclure, cette petite plume est vraiment vraiment super cool. Vous voyez là, elle vole. Voilà, c'est vraiment super cool comme plume. C'est un très bon investissement et en plus c'est joli quand même, faut avouer, c'est
C'est pas mal, regardez, si on arrive à faire la mise au point sur la plume. Non, tu veux pas? Allez, fais la mise au point sur la plume. Allez, s'il te plaît. Oui, voyez, voilà, j'ai enfin réussi à faire la mise au point sur la plume. Et on peut voir quand même que c'est un assez bel objet aérodynamique, voilà, de toute beauté, avec des petites décorations à l'intérieur. C'est joli, quoi. On va dire qu'on a une plume plutôt prestigieuse, hein. Et bien voilà, mes amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas justement à me le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, hein. En attendant, moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, midi, après-midi, séance sur le trône ou je ne veux pas savoir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Oh,